La RB20 est-elle devenue pourrie depuis le départ de New Way de chez Red Bull? Il répond: Ah, on va voir son avis là-dessus. Intéressant. Moi, je dirais que oui, hein. Eh bien, je l'ai entendu, je dois être honnête. Je ne lis pas vraiment la presse, pour toutes sortes de raisons personnelles qui remontent à l'époque où j'étais à Etan House. Oui, ça date, oui. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas commenter, je ne peux vraiment pas commenter parce qu'une fois que je suis sorti, je suis sorti. J'ai pas pu contribuer au développement des choses actuelles depuis le mois d'avril. Mais je... Ah oui, mais c'est le moment où l'équipe a commencé à chuter et qu'elle s'est fait rattraper par les autres. Doucement mais sûrement. Mais je ne sais pas pourquoi l'équipe a été moins compétitive ces derniers temps, je ne suis pas impliqué. Ok, bon, moi c'est clair, voilà. Il a arrêté de travailler sur la voiture depuis le mois d'avril. Ça alors, quelle coïncidence incroyable! Comme quoi, hein, sans New Way, ils sont paumés à hein, Red Bull en fait. Hein. Je suis sûr que s'il était encore dans l'équipe là, ce serait une saison 2023 bis, avec une RB20 qui détruirait tout le monde encore. Alors peut-être moins, il détruirait moins que l'année dernière, parce que les autres seraient quand même revenus au bout d'un moment, mais il serait dominateur encore, j'en suis sûr. Hein. Donc voilà. Bah, tant mieux qu'il soit barré, vraiment bonne décision. T'aurais même pu le faire dès l'année dernière, Adrian, si tu veux mon avis, mais bon. Mieux vaut tard que jamais.